Bon, en même temps, cherche quoi. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le top 10 des polémiques qui entourent South Park. I got frustrated and thought I would get some shock laughs. I'm just not that good of a comedian if you want to know the real truth. Pour cette liste, on va s'intéresser aux plus grosses polémiques autour de la série South Park. Ces controverses peuvent venir de différentes institutions, comme les médias, les organisations religieuses, ou des individus en particulier. Tant que la polémique est là, c'est éligible. You can't make fun of Scientology, kid. We are gonna sue your ass and your balls. Yeah, that's right! Numéro 10, tourner en dérision la censure chinoise. Oh, and then Kenny learned to play bass watching YouTube videos of John Lennon with the Dalai Lama. Oh, yeah, no, we don't wanna go there. Talking about the Dalai Lama doesn't go over well with the Chinese. The what? Le 2 octobre 2019, l'épisode Bend in China de South Park a été diffusé, un épisode qui fait une satire vicieuse de la censure en Chine et de la façon dont l'industrie du divertissement se plie aux exigences chinoises. Le public américain a adoré, surtout que l'épisode critique admirablement à la fois les lois de censure chinoises et l'état corrompu du divertissement américain. Le public chinois, lui, n'a pas apprécié de fou. Some people said Pooh looked like the Chinese president, so we're illegal in China now. Jesus, what kind of madhouse is this? En réponse, la Chine a grosso modo rayé toute trace d'existence de South Park, retirant tous les épisodes de ses plateformes de streaming, toutes les vidéos en rapport sur internet, et tous les sites de fans ou les pages de réseaux sociaux dédiés à la discussion autour de la série. I can't stand my dad anymore, and if I want to do death metal, I can, it's a free country! Cut! Kids, let's not say anything about this being a free country! Oh, come on! Hey, these guys were nice enough to come all the way from China to help us with our standards. We can at least listen to their notes. Dans le style propre à South Park, Trey Parker et Matt Stone ont fait de fausses excuses, écrivant, je cite, « Tout comme la NBA, nous souhaitons la bienvenue aux censeurs chinois dans nos maisons et dans nos cœurs. Nous aussi, nous aimons l'argent plus que la liberté et la démocratie. » Numéro 9, l'usage abusif de grossièreté. I was just watching the TV, they had this commercial. So guess what they're gonna say tonight on that show Cop Drama? What? No, come on, guess! They're gonna say something that's never been said on television! Si vous trouvez que South Park est controversé de nos jours, vous auriez dû voir ce que c'était au début des années 2000. On pouvait pas passer 10 minutes sans que quelqu'un en parle comme du fléau de la civilisation occidentale. À l'époque, ça rendait furieux les gens que la série contienne autant de gros mots. Oh, I bet this is it. Here it comes. I'm doing my job, Frank. We have to know where that evidence was shipped. Oh, was that it? Shipped, he said shipped. I told you, we don't have a record of that. Mais bon, il n'y avait pas que South Park. La série Chicago Hope, La vie à tout prix, a aussi beaucoup attiré l'attention des médias à cause d'un personnage qui prononçait très souvent la phrase shit happens, soit la merde, ça arrive. Pour lutter contre ça, le co-créateur de South Park, Trey Parker, a écrit l'épisode Y en a dans le ventilo, référence à la réplique Ça va chier dans le ventilo dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Un épisode où le mot merde est répété dans les 200 fois au total en combinant l'oral et l'écrit. You know, that word's getting kind of old. It's not really funny anymore. Yeah, they're gonna have to come up with a new swear word soon. En moyenne, le mot apparaît donc toutes les 8 secondes au cours de l'épisode. Ce qui est surprenant, c'est que l'épisode en soi n'a pas tellement soulevé de polémique. Comedy Central a quand même reçu environ 5000 emails. Numéro 8, la représentation des Mormons. Alright kids, now how about we do some scripture readings from the Book of Mormon? Alright! The Book of Mormon, what's that? L'épisode de la saison 7, Tout sur les Mormons, parle d'une famille de Mormons qui s'installe à South Park et tente d'influencer la famille Marsh avec leur religion. L'épisode touche évidemment à un paquet d'aspects importants du mormonisme, dont le livre de Mormon, la soirée familiale, l'histoire du fondateur Joseph Smith ou encore les plaques d'or. I have in my possession an ancient book written on gold plates that tells of Jesus Christ's second coming here in America. In America, really? That sounds kind of... Dum 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 dum. Trey Parker a admis qu'il a trouvé l'épisode difficile à écrire, puisque quasiment tous les mormons qu'il connaît sont super sympas et aimables. How come you want to fight me? Oh, I get it. I'm the new kid. Yeah, I guess maybe I deserve it. Huh? It's really tough being in a totally new place, but I think all you guys are really cool, so I understand if there's initiation rites. Dude, stop it. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a déclaré que, bien que l'épisode n'a pas freiné leur croissance, ils ont tout de même admis que certains membres de l'église se sont sentis mal à l'aise devant le portrait grossier de l'histoire de l'église qui y est dressé. And so Joseph Smith put his head into a hat and read to me what the golden plate said. I wrote it all down and we're gonna publish it into a book. Martin, how do you know he isn't just making stuff up and pretending he's translating off golden plates? Numéro 7, le caméo de Steve Irwin.
Le 4 septembre 2006, Steve Irwin est tragiquement décédé après s'être fait piquer par une raie pastenague. Le 25 octobre, soit à peine 7 semaines après le drame, Irwin est apparu dans l'épisode L'Enfer sur Terre 2006. Hey Satan, you got a little problem. What? Somebody showed up in a crocodile hunter costume. It's really offending some of the other guests. Dans l'épisode, on peut voir Irwin à la soirée organisée par Satan avec une raie pastenaque plantée dans le torse. Hey, hi, listen, dude. You know, the whole crocodile hunter thing, it's just a little soon, you know? I mean, he just died a few weeks ago and it's just not super cool. You gotta leave. But it's me, Satan. Steve Irwin. Ça a causé une polémique bruyante, surtout de la part de la famille Irwin. Un ami de la veuve de Steve a déclaré, je cite, « Terry est dévastée que Steve soit tourné en ridicule d'une façon si cruelle. Elle s'inquiète que Bindi et Bob, ses enfants, tombent dessus et craquent. » Fin de citation. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur mécontentement, trouvant que l'épisode est de mauvais goût. De l'autre côté, Trey Parker et Matt Stone ont été surpris que le caméo provoque tant d'émoi, convaincus d'avoir fait bien pire dans l'histoire de la série. « Now I will take charge of Halloween. » And call upon the spirits of hell's most evil souls. Ted Bundy. Jeffrey Dahmer. And John Wayne Gacy. Numéro 6, l'éducation sexuelle. Okay, boys, this is the first day of sexual education. Okay, now, I know that some of you think this is very funny. Words like penis and vagina. Now stop that, okay? Cet épisode de la saison 5 sert de satire sur l'éducation sexuelle enseignée dans les écoles. That's what it's called when you milk a dog, beating it off. Don't you guys know anything? L'épisode contient un paquet de scènes difficiles et explicites. Pas besoin de dire qu'il a engendré beaucoup de critiques de la part des comités de censure. Les chaînes australiennes l'ont interdit aux mineurs et l'ont diffusé à une heure plus tardive, tandis que la chaîne britannique Sky One a tout bonnement refusé de diffuser l'épisode. Les diffusions postérieures et la version DVD sont toutes les deux modifiées et les droits de diffusion de l'épisode n'ont jamais été vendus. Just walk away. You can put a stop to all this. Just walk away and we will spare your lives. Just walk away. Numéro 5, l'étrange départ d'Isaac Hayes. You guys! Chef is going away! Going away? For how long? Forever. Isaac Hayes a prêté sa voix à Chef en VO pendant près de 10 ans avant de partir du jour au lendemain en mars 2006. Selon le communiqué de presse fait en son nom, il a quitté la série à cause de leur supposée intolérance et sectarisme envers les croyances religieuses. Goodbye, Chef! Have a great time with the Super Adventure Club! Goodbye. Parker et Stone ont trouvé son départ douteux et ont dit qu'Hayes est un hypocrite parce que selon eux, il a montré du mécontentement que lorsque la série s'en est pris à sa religion, la scientologie. Hello, I'm Dr. Nealon. What can I do for you today? Hi, our friend has been brainwashed by some fruity little club. Brainwashed. Cela dit, on a commencé à rapporter que la déclaration était sans doute faite et pensée par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'a confirmé par la suite Isaac Hayes, troisième du nom, le fils d'Isaac. Selon lui, les camarades scientologues de son père ont publié cette déclaration sous son nom après un accident cérébral. Numéro 4, le bredouillement raciste. Le 17 novembre 2006, Michael Richards a complètement traîné son nom dans la boue après une diatribe raciste et nauséabonde dans un comedy club d'Hollywood. Hein? That's the guy from Seinfeld used the N-word a whole bunch of times. Michael Richards? Ce moment a inspiré Parker et Stone à écrire l'épisode avec nos excuses à Jesse Jackson qui explore tout ce qu'implique socialement le mot en N. Dude, Jesse Jackson said it's okay. Jesse Jackson is not the emperor of black people. He told my dad he was. L'épisode contient 43 répétitions du mot non censuré, mais malgré ça, il n'a pas trop attiré l'attention. D'ailleurs, il a été loué à la fois pour son humour et pour sa pertinence quant à l'état de la société. Ironiquement, le manque de controverse a fait naître la controverse, surtout du Conseil des parents de la télé, un groupe conservateur. Selon leur fondateur, le manque d'attention des médias est une hypocrisie, quand d'autres personnes, dont l'animateur radio Don Imus, ont été vivement critiqués pour avoir utilisé le même genre de langage dans le passé. Pourtant, tout ça n'a pas fait autant de bruit ou rendu aussi mal à l'aise que ce que Randy a fait. Hein? Oh. Ooh. Oh, naggers, of course. Naggers. Numéro 3, la statue de la Vierge Marie. What seems to be the officer problem? Sir, why don't you step out of the car for me? Dans cet épisode, on voit les habitants de South Park s'amasser devant une statue de la Vierge Marie qui expulse une quantité importante de sang par le rectum, et les gens pensent que ce sang possède des pouvoirs de guérison.
As news of the miracle spreads, hundreds are expected to show up here at the church, hoping to witness the miracle and even cure their diseases. Alors qu'il enquête sur la statue, le pape Benoît XVI découvre que le sang provient en fait du vagin, ce qui nie tout pouvoir de guérison. After witnessing the phenomenon firsthand, the pope then cleaned himself off and then declared that the bleeding Virgin Mary statue is not a miracle. What? Vous devez vous en douter, c'est mal passé auprès de nombreux groupes de voir la Vierge Marie répandre du sang vaginal sur des gens. I'm not going to drink this. I'm not going to drink this. It's a miracle. I'm cured. La Ligue catholique a essayé de faire supprimer l'épisode et des groupes religieux de Nouvelle-Zélande ont tenté d'empêcher sa diffusion dans leur pays. De nombreuses figures religieuses ont exprimé leur inquiétude, dont l'archevêque Dennis Hart et l'évêque William Skalstad, qui ont déclaré que Comedy Central a fait preuve d'un grand manque de considération en diffusant cet épisode. Numéro 2, le Closet Gate. Xenu thought his galaxy was overpopulated, and so he rounded up countless aliens from all different planets, and then had those aliens frozen. L'épisode de la saison 9, Piégé dans le placard, envoie des piques conséquentes à la religion de la Scientologie et à ses membres les plus célèbres. En conséquence, ils ont pris un sacré retour de flamme, dont le départ déjà mentionné d'Isaac Hayes et la polémique appelée Closet Gate, soit l'affaire du placard. Comedy Central a déprogrammé de façon louche une rediff de l'épisode en mars 2006, et pour beaucoup, c'est dû à l'implication de Tom Cruise. I'm nothing. I'm a failure in the eyes of the prophet. Ah! Hey! Dude, I'm sorry, I didn't mean it. Go away. À l'époque, Cruise faisait la promo de Mission Impossible 3, et la société parent de Comedy Central, Viacom, détient aussi Paramount Pictures. Selon la théorie, Cruise a refusé de continuer la promo du film, à moins que l'épisode ne soit retiré et Viacom aurait cédé. Mr. Cruise, come out of the closet. No. Come on, Mr. Cruise, this is ridiculous. I'm never coming out. Tandis que Cruise a nié ses accusations, l'incident a créé des grosses tensions entre Parker et Stone d'un côté et Comedy Central de l'autre. We've just had an incredible development here, Mitch. Tom Cruise, John Travolta and R. Kelly have all come out of the closet. So you're not the prophet, huh? You made me look stupid. I'm gonna sue you too. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Mahomet. It's just that there's somebody I've always wanted to meet, face to face. If you could get him to show up in your town. Sure, who is it? We can get anybody for you. Muhammad, the prophet of the Muslim faith. That's tricky. 200 et 201 ne sont pas juste les épisodes les plus controversés de South Park. Chacun des deux peut prétendre au titre d'épisode le plus polémique de l'histoire de la télévision. Après la diffusion de 200, Parker et Stone ont reçu des menaces de mort d'une organisation radicale à cause de la représentation de Mahomet dans l'épisode. Yeah, showing an image of him is completely off limits and censored. So nobody has ever seen what Muhammad looks like. En conséquence, Comedy Central a lourdement censuré la fin de 201, où Kyle fait un discours satirique sur l'efficacité des menaces violentes. You see, I learned something today. Throughout this whole ordeal, we've all wanted to show things that we weren't allowed to show. But it wasn't because of some magic goo. It was because of the magical power of threatening people with violence. La chaîne est ensuite devenue sujette à polémique. Non seulement ils ont ironiquement annihilé et directement contredit le thème du discours en censurant l'épisode, mais ils ont prouvé que les menaces fonctionnent bel et bien. Selon ceux qui les ont critiqués, s'aplatir dans un geste de lâcheté ne peut qu'encourager les organismes radicaux à abuser de techniques aussi violentes.